bonjour. Aujourd'hui, à Si une autre vie m'était contée, je reçois avec grand plaisir Mme Sylvie Ouellette. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Pierre. Sylvie, c'est un retour pour nous parler d'encore un autre livre sur les âmes, sur la mort, sur le passage. Oui. Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? C'est un livre qui m'a été inspiré après près d'une dizaine d'années de conférences. Oui. Il y a des questions qui revenaient systématiquement à chacune des conférences et je me sentais un peu frustrée dans une conférence parce que je n'avais pas l'espace nécessaire pour aller expliquer à fond. Alors l'idée du livre est vraiment née de ça, de prendre le temps et l'espace nécessaire pour expliquer ce qu'il y avait derrière les concepts un peu résumés en conférence. C'est quand même, il y a quelque chose d'un peu particulier dans ce sens où notre société occulte la mort de plus en plus. Et parallèlement à ça, il y a des gens qui veulent en connaître plus sur le passage et ce qui va se passer. Ce qui m'a interpellée la première chose, c'est ce fameux mot qu'on appelle la lumière et que les gens disent « vont vers la lumière » et tu dis « ce n'est pas un lieu, la lumière ». Alors pourquoi il y a cette croyance-là qui est propagée? Mais en fait, je pense que tous les êtres humains, hein, on a cette capacité-là de se trouver des manières de se raccrocher à quelque chose qui est rassurant et qui est facile aussi, hein, parce qu'on aime ça, voir les choses dans leur simplicité. Et en fait, au niveau de l'énergie, c'est relativement simple. Mais on a toujours enseigné les choses de manière extérieure. Dès qu'on arrive au monde, tout ce qu'on apprend provient de l'extérieur. Les grandes religions aussi nous apprennent que Dieu, c'est quelque chose d'extérieur et que, bon, tout provient de l'extérieur. Donc, la lumière est aussi vue par l'ensemble des gens comme étant quelque chose d'extérieur. Mais lorsqu'on s'intéresse un peu à ce qui se passe après la mort, on comprend rapidement que ça n'a rien d'un lieu. C'est un peu comme le bonheur, c'est comme la paix, c'est comme l'amour. C'est un concept. Oui, c'est quelque chose, c'est un état intérieur, ce n'est pas une destination ni même une route, ça fait partie du processus. Parce qu'on dit aux gens, bien là, tu peux partir, tu peux aller vers la lumière. On la voit à la télévision dans des émissions, en tout fait, ça. Oui, on devrait plutôt dire à nos êtres chers, tu peux retrouver la lumière à l'intérieur de toi. Okay. Parce que ça part de là. La personne qui n'a pas le contact avec elle-même, le cheminement va être plus ardu parce qu'elle cherche le chemin à un endroit où il n'est pas. OK, c'est souvent ça. Oui. Tu nous parles aussi dans ce livre-là de l'illumination. Qu'est-ce que c'est que le fameux chemin de l'illumination? C'est un long, long chemin. C'est un chemin qui nous mène à retourner, si on veut, d'où on vient. Quand on pense à la lumière, hein, quand les gens disent, ils pensent à leur être cher puis qu'ils vont dans la lumière, c'est un peu ça hein, qu'on espère, ce fameux état-là où on est en paix, en sérénité. C'est pas automatique immédiatement après la mort. Hein, c'est pas parce qu'on vient de sortir du corps que cet état-là d'illumination est arrivé. C'est un travail. L'état d'illumination, c'est un travail qui nous amène de vie en vie à ouvrir de plus en plus notre conscience pour toucher à notre plein potentiel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans une seule vie. Ben non, je trouve ça... Et ce n'est pas quelque chose qui se fait immédiatement après la mort. C'est vraiment un processus qui dure tout le long du cycle des incarnations, qui nous amène à l'état de maîtrise. On a eu des exemples, par exemple, dans l'histoire. Jésus, pour ne citer que lui, mais je pourrais aussi citer Bouddha, et d'autres grands maîtres qui sont passés sur la terre et qui nous ont montré à quoi ça peut ressembler, l'état d'illumination. Mais on voit, quand on regarde ces êtres-là, qu'il y a tout un cheminement derrière ça. C'est pas quelque chose qui arrive, on se lève un matin et on est illuminé. Mais ça se travaille comment? Bien, ça se travaille par la conscience de soi, ça se travaille par la présence à soi dans le moment. Quand on est dans n'importe quelle situation, d'être présent à ce qu'on fait, d'être présent à ce qui se passe à l'intérieur de nous, aux pensées qui nous habitent. Et la plupart du temps, on est à l'extérieur de nous. Hein. Moi, j'ai rencontré une dame il y a plusieurs années qui a vraiment marqué... ma façon d'observer les choses, cette dame-là, elle avait une présence à elle qui était absolument phénoménale.
Et elle me disait, Sylvie, moi, quand je suis à la maison et que je pèle mes carottes, par exemple, chaque morceau étant épelé en conscience. Chaque petit carreau ou rondin de carotte épelé en conscience. Alors, moi, j'ai mangé souvent chez elle et ses aliments sont puissants, là, parce qu'elle les a coupés en conscience et qu'on sent vraiment une différence avec la carotte qui a été coupée mécaniquement, là. Alors, mais c'est ça d'être présent à soi, hein? C'est d'être présent jusque-là, mais on imagine le travail, hein? Parce que la plupart du temps, moi quand j'épluche mes carottes, pense à autre chose, là, vraiment pas, je là. Suis ailleurs et je fais deux, trois affaires en même temps. Les carottes deviennent un aspect secondaire, mais la présence nous amène dans un état de maîtrise ou d'illumination à être là, uniquement là. Elle l'avait atteint. Et on comprend... Quand on voit ça, on comprend pourquoi ça demande plusieurs incarnations pour y parvenir. Une autre chose, tu nous informes dans ce livre-là que le processus de la mort requiert l'acceptation de l'âme et la réalisation de toutes les étapes. Puis, un peu plus loin, tu nous dis que la mort n'a rien de mécanique. Alors là, c'est un petit peu, ça semble un petit peu ambigu. Bien, en fait, ce que je veux dire, c'est que... Dans la transition, l'âme est toujours placée face à des choix. Et la mort, c'est un processus. Hein? C'est quelque chose qui se déroule étape par étape. Mais quand je dis que la mort n'a rien de mécanique, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas comme une machine. Les gens pensent à l'après-vie en essayant de se dire, OK, il y a un point de départ et à partir du moment où on est en dehors du corps, on va avoir une espèce de petit sentier balisé avec des lumières qui vont nous indiquer, bien voici, c'est par là que vous devez aller. Mais c'est ce que je veux dire quand je dis que la mort n'a rien de mécanique, c'est que c'est comme la vie, c'est comme ici. Quand on naît, est-ce qu'on peut dire que l'enfant qui naît, il y a un chemin tout tracé et qu'il y a des balises et que son chemin va être indiqué par des petites lumières? Non, évidemment, ça dépend d'un paquet de circonstances. Ça dépend aussi de tous ses choix qu'il va faire au fur et à mesure que les événements se produisent dans sa vie. Alors, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Tout est une série de choix par rapport aux pensées, aux perceptions, aux croyances qu'on a. Et le processus de la mort nous amène à aller observer nos pensées, à aller observer nos croyances pour pouvoir arriver à toucher l'être qui est à l'intérieur de nous. Et plus on va l'avoir fait dans notre quotidien, plus le chemin de l'autre côté est facile parce qu'on va être rendu bon, on va s'être pratiqué et on va avoir déjà... mis en place cette espèce d'automatisme-là, d'apprendre à s'observer, à voir l'effet de nos pensées, l'effet de nos croyances sur nos actions. Voilà. On va prendre une pause, oui. Sylvie, puis après la pause, on va poursuivre. Merci. Abonnez-vous dès maintenant en composant le 187 Super Écran ou en visitant le superécran.com. Sylvie, j'aimerais ça que tu nous parles du processus préparatoire à la mort et de ce qui peut interrompre ce processus en cours de route.
On imagine difficilement dans notre société comment la mort se prépare à l'avance. On a toujours l'impression qu'elle arrive un peu par hasard, sauf dans les cas de mort par maladie oui. ou par vieillesse, où là, on voit un peu plus les choses aller. Mais en fait, du point de vue de l'âme, l'âme se prépare toujours à ce passage-là, exactement comme l'âme qui décide de s'incarner sur Terre va préparer ce passage-là. Alors, elle va se préparer tout d'abord durant la nuit, dans les périodes de sommeil. Elle va entreprendre le chemin du retour vers la maison en se préparant, en essayant de faire le ménage un peu dans ses croyances, dans ses pensées, dans ce qui est important pour elle, dans ses valeurs. Tout ça se fait à l'étape inconsciente. Et on va souvent observer qu'une personne qui meurt, par exemple, subitement, oui. une fois qu'on a constaté son décès, on va souvent observer, dans les derniers temps avant sa mort, qu'il y a eu effectivement des gestes préparatoires. On ne pouvait pas savoir au moment où ces gestes-là sont arrivés, mais une fois que la mort est survenue, on se rend compte à quel point c'était à quelque part une connaissance qu'elle avait à l'intérieur d'elle, mais une connaissance qui quand même demeure à un niveau inconscient, puisqu'on aurait demandé à cette personne-là, « Est-ce que tu sens ta mort arriver? » Puis elle aurait sûrement dit non. Mais en même temps, les gestes qu'elle pose vont vers ça. Je vous en donne un exemple pour bien situer. Oui. Mon grand-père, qui était en forme, a commencé à dire le 1er décembre 2000, à ma mère qui s'occupait de tout le côté financier, « Je ne veux pas que tu fasses le chèque de mon loyer, le chèque du mois de janvier. Je retourne à la maison. » Mon grand-père, qui était placé dans un CHSLD, pas un cas de maison du tout, tout le monde le regardait en disant « Ben oui, tu retournes à la maison. Non, non, garde, oublie ça, là. T'es pas un cas de maison, puis mets-toi pas ça dans la tête. » Donc, ma mère, connaissant son père, n'a pas argumenté avec lui en disant « On verra bien le 1er janvier, je ferai bien le chèque quand on sera rendu là. » Mais mon grand-père est décédé le 28 décembre. Oula! OK? Donc, il avait raison de dire à ma mère « Je ne veux pas que tu fasses le chèque de loyer, je ne serai plus là. » Et rien ne laissait présager jusqu'au 26-27 décembre qu'il allait partir parce qu'il était en forme. OK. OK? Donc, il a fait un ACV et c'est ce qui a fait qu'il est parti. OK? Mais jusque-là, rien ne laissait présager qu'il allait partir. Mais son âme savait qu'il serait parti à ce moment-là. Mais son âme le savait, oui, que les choses se préparaient. Mais évidemment, c'est extrêmement difficile avec ce genre de phrase-là de dire « la mort s'en vient ». Ce n'est pas quelque chose qu'on va nécessairement tout de suite deviner. Mais une fois que la mort est survenue, là, on peut comprendre qui a un processus de préparation. Et ça, des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines qui m'ont été racontées depuis que je fais ce travail-là. Alors, la deuxième partie de ta question, c'était pourquoi une âme commence à se préparer, mais qu'elle ne va pas jusqu'au bout du processus? Mais parce que la vie étant tellement en mouvement qu'il arrive qu'on amorce un processus de mort, et c'est souvent quand l'âme amorce un processus de mort, c'est soit parce qu'elle a l'impression qu'elle a accompli tout ce qu'elle avait à faire dans cette incarnation-là, ou soit parce que tout ce qu'elle a à accomplir, elle réalise qu'elle ne pourra pas le faire. Donc, elle va décider de quitter pour aller chercher des outils, puis revenir faire ce qui ne sera pas accompli. Mais en cours, quand on enclenche le processus, on fait des transformations. Donc, c'est possible qu'en faisant ces transformations-là, on se prenne au jeu et on se dit, bien, une fois que ça, c'est fait, mais là, j'ai maintenant la possibilité d'aller poursuivre. Ce n'était pas possible sans que ces transformations-là soient faites, mais une fois qu'elles sont faites, je peux maintenant poursuivre. Alors, au lieu d'aller de l'autre côté et de revenir pour reprendre ces informations-là, je suis aussi bien de rester et de les faire tout de suite. OK? Donc, ça arrive que des âmes vont commencer un processus comme ça et qu'à ce moment-là, elles vont décider de mettre ça sur la glace pour dire « je poursuis un apprentissage qui est là et que j'ai l'occasion de faire dès maintenant. » Ah, c'est intéressant. Je me demandais comment ça se pouvait. Mais on peut changer d'idée comme ça, là. Tout à fait. Au même titre que l'âme qui décide de s'incarner change parfois d'idée,
dans la descente. C'est de la grande majorité des fausses couches sont expliquées de cette façon-là. Okay? Parce que l'âme a entrepris un processus pour s'en venir sur la Terre. Elle approche de la Terre et là, à un moment donné, elle se rend compte que, il manque des outils ou j'aimerais mieux aller parfaire ma solidité intérieure pour être capable de remplir cette incarnation-là à bon port. Alors, elle va rebrousser chemin et elle va revenir éventuellement quand elle va se sentir plus solide. Alors, c'est le même processus au niveau de la mort. Au niveau de la naissance. Naissance et mort, là, ce sont deux passages qui sont identiques. Hein, on part d'un certain endroit pour venir accomplir quelque chose et on retourne d'un certain endroit pour continuer d'accomplir quelque chose. C'est ça, la naissance et la mort. Hein. C'est intéressant. Mmh. Sylvie, tu nous apprends aussi que la mort n'arrive pas subitement, même si le corps physique peut mourir dans un éclair. Oui. C'est ça, c'est là l'étape de préparation dont je parle. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, Marie-Pierre, c'est que on a été longtemps, quand je dis le « on », je vais m'inclure dans les médiums, longtemps comme étant perçu par rapport à ce sujet-là, quand les médiums disaient que la mort se prépare, comme étant un peu en dehors de la traque. Pourquoi? Mais parce que c'est difficilement mesurable, tout ça. Mais maintenant, la science commence à étudier ces phénomènes-là. Et ça, c'est vraiment fascinant. On s'est aperçu, grâce à ceux qui font de l'accompagnement en fin de vie, qu'il y avait certains comportements qui se manifestent, peu importe la religion, peu importe la culture, qui se manifestent chez la grande majorité des gens en fin de vie. Okay. Dont notamment le fait de voir, par exemple, des défunts. Quand on approche de la mort, on va commencer à voir des défunts. On va commencer à entendre des choses dans nos oreilles que personne d'autre dans la pièce entend. On voit des choses que personne d'autre voit. Et on va commencer à voir aussi des paysages ou toucher à des états qui personne autour est capable de contacter. Et les scientifiques ont essayé d'éliminer toutes les possibilités parce qu'ils se disaient, bien, en fin de vie, c'est une défaillance du cerveau, c'est la médication, bon, etc. Ils ont examiné de nombreuses facettes pour en arriver à dire que dans 80 % des cas, ce n'est pas une défaillance du cerveau ni un trouble d'hallucination. Ce sont ce qu'ils ont baptisé des expériences de conscience accrue. Donc, au moment de la mort, notre conscience s'amplifie. Et pas au moment de la mort, je devrais dire, je reprends, avant la mort, notre conscience s'amplifie et ça nous permet d'aller toucher à des états qui sont de l'autre côté pour pouvoir mieux partir. Parce qu'ils se sont aperçus, les scientifiques, que le 80 % qui vivent ces phénomènes-là arrivent à vivre leur mort de manière plus paisible. Parce qu'une fois qu'ils ont touché à cet état-là, ils sont en paix, en harmonie, et la mort ne leur fait plus peur. Et quand je disais tout à l'heure que la mort se prépare, bien, les phénomènes de conscience accrue en sont un exemple, que nos sens s'affinent et qu'on devient, ou je devrais plutôt dire, on retrouve nos capacités de médium en fin de vie. C'est intéressant. Sylvie, on va revenir après la pause. Oui, merci. Sylvie, tu nous expliques aussi dans ce livre-là que l'astral ressemble beaucoup à notre plan terrestre. Mm-hmm. Et je t'avoue que dans ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté à comprendre ce principe-là. Pourquoi il faut qu'on aille dans un plan qui est si semblable au nôtre? Le processus de la mort sert à nous permettre de nous détacher de la Terre. Donc, au départ, quand on sort de notre corps, on se retrouve dans l'astral qui est le monde émotionnel. Mais c'est un monde qu'on connaît bien, hein, parce qu'on l'a, on l'a quand même côtoyé beaucoup de ce côté-ci. Mais le passage dans l'astral nous sert à nous libérer des émotions, des attachements qui
nous empêche de nous élever plus haut, parce que ce qui fait que cet état de paix ou de lumière-là, on ne l'a pas immédiatement après la mort, c'est parce qu'on a encore des émotions qui nous empêchent de trouver cet état de paix et de sérénité-là. Donc, les différents niveaux de l'astral nous servent pour nous aider à libérer ces émotions-là. Elles vont être un reflet de la Terre pour nous amener à ce qu'on a en mémoire, à le libérer réellement. Alors, les émotions cachées dont on a oublié parce qu'on ne veut plus y penser ou parce que c'est trop douloureux et qu'inconsciemment on se coupe, mais dans l'astral, on va avoir à y retoucher, pas de la même manière que sur la Terre, il faut se rassurer, parce qu'on n'est plus dans le corps physique, alors ça se passe complètement différemment. Mais on va avoir à revisiter ces émotions-là pour les transcender et pour apprendre de ça. Donc, le passage de l'astral, c'est une école comme la Terre, mais qui nous sert à aller se départir de ces émotions-là pour ensuite pouvoir passer au plan mental où là, on va être plus en harmonie. Est-ce que ça veut dire que... comment je vais dire ça? Il faut remplir certaines conditions pour l'élévation. Si on ne remplit pas ces conditions-là et qu'on demeure longtemps sur le plan astral, c'est là que sont les âmes errantes. Mais en fait, l'astral n'est pas que peuplé de d'âmes errantes. Hein. Il faut faire la part des choses, parce que l'astral, il y a beaucoup de monde dans l'astral. Une âme errante, c'est une âme qui est dans certaines conditions. C'est-à-dire, c'est une âme qui ne sait pas qu'elle est inconsciente ou qui ne veut pas quitter le plan terrestre. OK? Alors, elle est dans une situation où elle est aux prises avec un attachement à la Terre, et je devrais peut-être même rajouter dans les conditions qu'elle ne peut pas quitter, parce que dépendamment de certains attachements, l'âme errante va être prise là et elle n'arrive pas à passer par-dessus son émotion. Donc, mais l'astral va bien au-delà de ça, parce qu'il y a plein d'âmes qui sont en acceptation de leur cheminement et qui progressent, pardon, dans l'astral, mais qui ne sont pas des âmes errantes, parce qu'elles veulent et qu'elles avancent. Donc, les conditions pour pouvoir avancer dans l'astral sont relativement simples. Hein. Il faut, de un, être conscient qu'on est passé de l'autre côté, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui ne réalisent pas. Et souvent, en conférence, les gens me disent, « Mais voyons, Sylvie, comment on peut faire pour ne pas réaliser... » quelque chose qui nous fait aussi peur, hein, parce que de ce côté-ci, la mort, on se dit, je ne peux pas croire que je peux passer à côté de ça, mais du point de vue de l'âme, sortir du corps, on le fait 2 à 3 fois par nuit durant notre sommeil, alors une fois de plus. Ouais. Et une fois de plus, si on n'est pas conscient, ben, on s'en rendra tout simplement pas compte. Alors, si on n'est pas conscient, on n'avance pas. Et l'autre chose, si on ne veut pas ou qu'on résiste à ce passage-là, parce qu'il y a certaines âmes qui ne veulent pas avancer, qui sont en colère, que la vie se soit interrompue, ils n'avaient pas terminé leur chose, et elles veulent, d'une certaine manière, rester là pour comme s'accrocher à la Terre. Le ciel, oui. Il est où? Il est en nous, comme l'enfer est en nous. Je veux dire, le ciel... C'est pas nécessairement un lieu, là. Tu sais, les gens vont dire, il y a l'enfer, il y a le ciel, il y a des lieux. Oui, c'est ça. Le ciel est en nous. C'est extrêmement difficile à imaginer du point de vue humain que la plupart des choses qui se produisent de l'autre côté se produisent à l'intérieur de nous. On est tellement focalisé sur une vision extérieure des choses. Hein, on a besoin de la matière, on a besoin, c'est rassurant de pouvoir toucher, de pouvoir sentir, qu'on a de la difficulté à penser que l'au-delà, c'est une bonne partie, c'est un processus d'intériorisation. Mais une fois qu'on est sorti hors du corps, cette perception-là ou ce besoin-là d'être en lien avec l'extérieur se transforme automatiquement. Là. Il y a le fait d'être rendu en dehors du corps, on ne voit plus les choses de la même façon. Quand je dis « se transforme automatiquement », je vais ajouter si on est conscient, évidemment, qu'on est mort. Oui. Sylvie, pour le temps qui nous reste, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la belle expérience que tu as vécue au printemps dernier. C'est ça. En France, tu es allée à un colloque. Oui, à Marseille. Je suis allée aux 2e rencontres sur les expériences de mort imminente.
un colloque international où il y avait, médecins, psychiatres, psychologues, chirurgiens, anesthésistes réanimateurs qui sont venus nous parler des expériences de mort imminente. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une expérience de mort imminente, c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté pendant quelques minutes et qui est revenu de ce côté-ci. Donc, les nombreux spécialistes sont venus partager sur ce que c'est l'expérience de mort imminente, mais aussi ce qu'on peut y vivre, quelles sont les études qui sont faites à l'heure actuelle sur ces phénomènes-là. Et c'est très intéressant parce qu'il y a plein de parallèles qui sont faits avec de nombreuses expériences que les médiums racontent, de nombreuses expériences aussi, comme on pourrait faire le parallèle très intéressant entre une expérience de mort imminente et ce qu'on appelle une sortie de corps ou un voyage astral. Il y a des éléments similaires. Et donc, il y a aussi des scientifiques qui étudient les sorties de corps. Des spécialistes de la médecine, finalement. Oui, là. Tu sais, ce qu'on croirait le plus réfractaire à cette possibilité-là. Oui. Et ce qui est intéressant, par exemple, au colloque, il y avait une jeune neuropsychologue qui étudie à Liège, qui s'appelle Vanessa Charland, qui est québécoise en passant et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. Vanessa se spécialise vraiment dans les états comateux. Alors, aller étudier qu'est-ce que ça fait au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe, comment mesurer les activités qui se passent dans le cerveau au niveau du coma, mais de faire des liens en même temps avec les expériences de mort imminente pour essayer de voir où est-ce qu'elle se situe la conscience. Parce que c'est ça, à l'heure actuelle, l'intérêt des scientifiques, c'est le monde scientifique, de manière générale, dit que la conscience meurt avec le cerveau. Okay? Donc, la survie n'existe pas du point de vue scientifique majoritaire. Mais depuis une vingtaine d'années, il y a des scientifiques qui ont commencé, grâce aux expériences de mort imminente, à voir que la conscience, elle peut se manifester même quand le cerveau est déclaré cliniquement mort. Alors là, ça questionne énormément les scientifiques. Et ça, c'est ce qui est intéressant, d'aller faire des parallèles, par exemple, avec le coma. Quand on est dans un état de coma, est-ce que la conscience est encore là? Est-ce qu'on peut en avoir des preuves? Et comment on pourrait accompagner cette âme-là à partir du moment où on sait qu'elle entend tout, elle voit tout et elle sait tout, même si elle n'est pas capable de réagir? Donc, comment on peut l'accompagner? Et qu'est-ce qui fait qu'elle est dans le coma? Qu'est-ce qui fait qu'elle reste dans cette zone trouble-là? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est dans une indécision? Donc, c'est vraiment fabuleux ce qui est en train de se produire au niveau scientifique et j'étais vraiment ravie d'être là. Et tu vas nous donner les résultats de ton séjour là-bas, dans Vivre, dans la revue Vivre? Oui, j'aurai quelques articles dans le prochain magazine Vivre, donc quelques personnes que j'ai rencontrées là-bas en interview, dont le docteur Jean-Jacques Charbonnier, avec qui j'avais travaillé ici au Québec. Et qui va revenir. Et qui va revenir, oui, probablement en septembre, je crois. Je n'ai pas les dates exactes. Et avec le docteur Moody, aussi Raymond Moody, qui a écrit le livre « La vie après la vie ». C'est lui, dans le fond, qui a lancé cette grande aventure des gens qui se posaient des questions, qui avaient des doutes, ou ceux qui y croyaient et qui espéraient, finalement. Oui, dans les années 70, avec l'avènement de son livre « La vie après la vie », qui a connu un succès phénoménal. C'est vendu à plus de 13 millions de copies dans le monde. On se le souhaite. Mais donc, ce succès phénoménal-là a entraîné le mouvement de recherche qui a lieu à l'heure actuelle. Mais merci énormément, Sylvie. Merci, ça me fait plaisir. Au plaisir de te revoir encore une fois. Merci à vous.